moi, je suis Christelle Ratry. Je suis la chanteuse, la bassiste. À ma droite, j'ai Silvano, qui est à la batterie, qui est aussi mon mari. À ma gauche, Ben Kelly, le guitariste, qui est aussi mon frère. On est une famille et aussi un groupe. On vient de Madagascar. On joue du pop-rock. Vu qu'on est frères et sœurs, nous, on était tout le temps dans la musique. Notre grand-mère, elle était guitariste, notre grand-mère paternelle, notre père, les tontons, les cousins, tous des guitaristes. Mon père, il était super mélomane. Il n'écoutait que du blues, du jazz, du funk. Et à 8 ans, il m'a fait découvrir un live de Jacob Astorius. Et là, pour moi, ça a fait un boom. Je suis la seule, en fait, dans la famille qui joue précisément de la basse. Nous, on a joué depuis tout petit. On faisait un duo et tout. Mais à partir de 13 ans, 12 ans, on a découvert le rock qui nous a vachement, vachement beaucoup fait vibrer. Là, moi et mon frère, on s'est dit, ah, c'est le rock qu'il nous faut. Hein. On s'est dit, on va prendre un batteur parce que vu en duo, c'est pas facile de faire du rock. On avait un concert un soir et notre batteur il nous a dit non je peux pas et tout. Donc on a appelé Silvano au secours. On avait le concert à 21h. Bon, un cabaret. On s'est vu 21h moins le quart. On lui explique un peu tout. Voilà, on fait un peu du rock, tu vas nous suivre et tout. Et là, ça a été notre premier concert et aussi un des meilleurs concerts qu'on a fait en fait. Parce qu'il y avait une alchimie directement et tout. On avait la même vision de tout ce qu'on veut faire en fait dans le futur. Et c'est là que le trio avait commencé à mûrir. On faisait encore aussi des interprétations et on a commencé à faire des créations petit à petit. Et moi et mon frère, on s'est dit, lui, on le lâche plus. Sylvano, on le lâche plus. Et du coup, bah, je me suis mariée avec. On compose tous, mais c'est Christelle qui écrit pour le moment, mais moi et Ben Kelly, on va essayer d'écrire. Si je veux bien. Ouais. On arrange tous nos morceaux ensemble, c'est un groupe et une famille, quoi. C'est vraiment facile de travailler ensemble et ça donne envie de continuer, de créer toujours, tout le temps. Et pour cette année, on est vraiment content de faire notre première tournée européenne. What meant me do boca? Fuck mambo mi durubuka Wulumaru mi kiarenzi Tono narivu yanindrin Tanayarivo Zazakeli mangataka Panakarena miatakataka Supakelum tanza tanza ka Rupanenda kamanataka Fenu, fenui, fen fenuni bangaraya kacha Fenu, fenui, fen fenuni bangaraya kacha Fenu, fenu, fen fenuni bangaraya kacha Wo feo, feo, anetanana yano antataka. Quand j'écris, moi je me nourris beaucoup des gens. Je suis une personne très très sensible. Donc si la personne partage ses sentiments avec moi, ça peut vraiment me toucher, mais même si des choses que je n'ai pas vécues, mais que la personne me raconte ou la personne vit que je vois de loin, ça me touche vraiment. Mais des fois j'en pleure ou j'en ris, mais grave. Donc dans mes textes, j'écris vraiment des trucs du quotidien, de tout ce qui m'entoure, mais des trucs pas banals.
et des trucs où les gens peuvent s'identifier, peuvent s'y retrouver. Le live, c'est de pouvoir partager. La musique, c'est de pouvoir partager. Et cette vibration-là, il faut qu'on la sorte, on la partage. Parce que c'est ce qui nous fait vivre aussi. La musique nous fait vivre intérieurement et humainement. Notre musique, en fait, représente notre caractère à nous trois en un morceau. Donc, on veut le faire passer aux gens, vu que nos textes, en fait, ils sont malgaches. Et le malgache, c'est une langue... presque les gens, quand on sort de Madagascar, personne ne connaît. Et il faut qu'on fasse vibrer les gens. Et on est toujours content, en fait, quand on descend de scène à Paris, les gens ils disent « Vous m'avez fait ressentir des émotions ». Et donc, même s'ils n'ont pas compris les textes, il faut que notre musique fasse ressentir ce qu'on veut faire. Et on veut vibrer, quoi. La scène, c'est toute notre vie. Le live, c'est toute notre vie. Et de partager ça, de tout sortir et tout, c'est génial, c'est top. Let's go.